Mes petits flaguistes et mes petites flaguistes, bonjour, bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cet épisode. On est de retour sur Batman Arkham Asylum. Et j'espère que vous êtes équipé de votre petite lampe frontale, votre casque, et que vous avez révisé vos cours de spéléologie. C'est dur à dire, spéléologie. Car on part à la recherche de la Batcave. La Batcave spéciale. Oulala, calmez-vous là. C'est quoi cet accueil? Ah bah le garde. Le garde n'a pas survécu à ma baston. Je pensais qu'il m'attendait pour me donner encore d'autres informations top inutiles. Comme la dernière fois. Donc nous on est censé aller ici. C'est pour ça que je regardais la carte. Oh, ils sont de retour! Oh non! Ils sont de retour mais pas tout seuls! Ah ouais, le compteur de combo s'arrête vite. Bon ça va, dès qu'il n'y a plus Bane. Il n'y a plus Bane pour me foncer dessus. Ça va tout de suite mieux. Oh le bâtard. Ça c'est dès qu'on donne un coup dans le vide quoi. Oh. Je vais défoncer la caboche. Et il en sort de partout. J'en avais compté 5 au début. Allez. Tu vas saigner. Ouais. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Combo maximum 7, ce qui nous permet pas de récupérer de la vie malheureusement. Alors est-ce que dans le visitor center... Non, visitor center. Non. C'est pas ici. Arkham North. Ils vont nous dire que la porte de Arkham North est fermée. Il va falloir trouver un autre passage. Allez! Petit trophée tranquillou. Très bien. Tout est possible, on y croit. Non! Je les ai. J'étais à deux doigts de leur marcher dessus. Oui. Ah, l'endroit préféré pour se suicider. Un jour, j'ai empêché un malheureux interné de se jeter dans le vide. Et vous, c'est quoi votre endroit préféré? Au fil des années, j'y ai entassé un tas de réserves. C'est un peu comme un second chez soi. Aïe. La porte ne veut pas s'ouvrir. Il va donc falloir passer par la gauche. Tweedilum et Tweedily. L'ont vu, peux-tu le voir? Je ne sais pas qui sont Tweedilum et Tweedily. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que... Oui, c'est bon, c'est juste... C'est juste là à droite. Aïe. Ils sont encore, nombreux à vouloir se faire péter la gueule. Maintiens-le au sol et écrase-lui la tronche. Oula, mais il est là où lui? Avec ses petits couteaux. Tiens le coup, mon pote. Ok bon, je suis pas le pro du combo pour l'instant, ça va venir. C'est juste que j'évite couteau man. Aïe. Ok. Bon, ça lui fait rien. Laisse tomber Batou. On s'occupera de lui en dernier. Si on peut encore s'occuper de quelqu'un. Attendez. Non.
Il tient le coup, il tient le coup. C'est pas comme toi. Ouf. Ok, lui il dort. Est-ce que lui il pourrait dormir aussi, ce serait beau. Ah mais lui il dort pas du tout en fait. Ouf. Allez le sadomaso, retourne en cellule. Donc, est-ce que c'est ici qu'on nous attendait? On va dire que oui. Non. Il y a une entrée spéciale à trouver. Ah mais c'est là où était garée ma Batmobile. File-moi ça gratos. C'est à moi. Et non, on ne va pas se suicider avec notre propre gel explosif. Tu entends ça, détective? C'est moi qui applaudis à ton succès. Tu n'entends pas? Ça m'a rendu un peu de vie. Parce qu'un idiot aurait trouvé ce trophée. Comment ça, Hera, impossible? Je suis certain qu'il y a un moyen de rentrer. Ah, trouver le point d'entrée de la caverne, c'est point d'entrée trouvé. Suivez la caverne jusqu'au point de l'homme mort. C'est le point de l'homme mort. Un nom bien accueillant et bien rassurant pour une Batcave. Par contre, je sais pas qui l'a trouvé, pas moi en tout cas. J'ai pas compris où elle était. Où est l'entrée de la Batcave? C'est ça? Rien n'est moins sûr. Ça ne sent pas du tout la Batcave. Ça sent les bats égouts. Aïe. Ah. Le point a changé. Suivez la caverne jusqu'au point de l'homme mort. Ok. Mesdames et messieurs, je suis complètement perdu. Oh. Et ensuite. Il n'y a qu'un seul tout droit. Très bien. Bon. La Batcave est tellement cachée qu'il faut une cinématique pour y accéder. On n'est pas les Bats bienvenus. Confirmé. Désactivation des contre-mesures. Sécurité désactivée. Discretos, la caverne, là, putain. Je le sais, parce que il n'y a que moi, normalement, qui peut rentrer. Alors. Pour l'instant, ça ressemble juste à une caverne normale. Et là, tout se complique. Tout devient plus métallique. Activation. Activation du bas de vaisseau que je vois juste ici sous le drap. Oula. Ouf. J'étais un peu trop subjugué par ce magnifique bas de vaisseau. Ça c'est ma Batmobile. Donc là, le bas de vaisseau, Batmobile. Et le bas d'ordinateur juste là. Young dirigeait un projet, un gros, financé par des fonds externes. Voici ses dernières notes. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire?
En gros, elle parle du pingouin. Des tests sur les patients d'Arkham. Ce nouveau produit chimique ressemble à peine au venin d'origine. Un certain nombre de changements amplifient la force de la drogue. Il y a de nombreuses références à une formule titan. Même en petite quantité, elle pourrait déclencher une transformation chez l'hôte, et les réservoirs requis par Bane ne seraient plus utiles. Attendez, ces notes sont incomplètes. Il manque la formule. Ce doit être le secret que le Dr Young veut cacher. Si le Joker met la main dessus, il créera une armée de 1000 Bane. Le Joker est assez fou pour faire ça. Évidemment que oui. Il faut l'arrêter. C'est l'attaque des clones. La Batgriffe. Ce crochet permet d'attirer à soi les objets distants. Et les ennemis aussi, si on arrive à l'améliorer technologiquement. La Batgriffe peut aussi s'accrocher. Voilà, ok, d'accord. C'est ce qui est marqué. Oula, il a l'air de l'admirer à fond. Elle est magnifique. Chercher. Magnifique Batgriffe. Elle allait au manoir avec Cash. Par contre, ça m'aurait bien intéressé d'avoir une nouvelle voiture. On a envoyé la dernière dans l'océan, Batman. Choisir la Batgriffe. Aux caisses. Je ne vois pas de caisses. Oui, d'accord, ok. Donc à quoi ça me sert de faire ça? Ah, rien. Ah, si, d'accord, parce qu'ils veulent que je saute de l'autre côté. D'accord. Non. J'ai l'impression d'être dans Need for Speed. Et que mon perso ne peut plus conduire droit. La Batgriffe peut aussi servir à arracher les grilles d'aération des murs. D'accord. Utilise toute ta batte puissance, Bruce. Désolé, patron. Ça a été plus long de le trouver que vous ne le pensiez. Oh, pardon. J'essaierai d'être plus précis la prochaine fois que je m'approprierai une idée. Hé, je voulais pas... J'accepte les critiques, hein? Je ne suis pas parfait. Enfin, en y réfléchissant, je suis presque parfait. Pas vrai? Ah oui, tu me critiquais, sale vermine. Le vermine qui ne livre que parce que j'ai fait ouvrir sa cellule. C'est une... Je m'attendais pas à ce qu'il ait cette tête-là. Désolé, patron, je voulais pas dire ça. Pitié. Oh, comme tu me sembles sincère, j'enverrai simplement... Je vois un petit trophée au fond là-bas. Mais Joker... Non, pas du tout. Merci. Je t'en prie. Je t'ai déjà raconté la blague du type qui rentre chez lui et se rend compte que sa femme est paraplégique. Attends, laisse Batman t'aider. Il est pas aussi cruel que le Joker, lui. Merde. Oh oh. À quoi il s'accroche? Oh non. Je voulais qu'il s'accroche de l'autre côté. Alors. Ah mais attendez, est-ce que... Ça j'ai mis beaucoup de temps à comprendre dans le dernier. Dans le numéro 3. C'est que la Batgriffe pouvait aussi me permettre d'agripper les trucs du. Le même mystère. Ça va pas du tout. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Rien, il faut attendre que l'eau monte. Oh! Ça, y a rien à faire non plus avec ça. Ok. Appuyez deux fois pour quoi faire? Pour attraper les ennemis. Appuyez deux fois pour attraper les ennemis. Ok, très bien. Oh, il y en a beaucoup. Oh,
reste, c'est à nous d'ouvrir ça. C'est pas la porte principale. Même si on l'ouvre, on sait pas ce que ça fera. J'approcherai pas, il suffit de la... On va leur faire un petit combo. Oh, ouais. D'ailleurs, je peux même en mettre... Hein. C'était un idiot. Je vais en amener un vers le gel explosif. On a qu'à dire au Joker qu'on l'a pas trouvé. Ce sera mieux. Il est là. Viens, viens, viens. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord. Oh, oh le chien. Ok, très bien, très bien. Oh, 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 oh. Non. Putain, on avait si bien commencé. On recommence. On avait si bien recommencé. Salut mon défunt ennemi. Casse-toi vite, casse-toi vite. Que je vois plus ta sale tronche. Bon. Le coup de gel explosif est magnifique. Qu'est-ce qu'on a raté? Oh là là! Ouais, oui, d'accord. On a raté tout le tutoriel. Le tutoriel spécial Bad Griff. Désolé, patron. Ça, ça a été plus long de le trouver que vous ne le pensiez. Non, oh, c'est si bon, patron. Ah, viens me nettoyer les oreilles avec ton petit coton-tige. Pourquoi est-ce que c'est à nous d'ouvrir ça? C'est pas la porte principale. Même si on l'ouvre, on sait pas ce que ça fera. J'approcherai pas. Oh non. Ouais, on va faire ça, je crois. C'est bien mieux. On va les amener par ici. On va se les fumer tranquille. Quand je dis tranquille, pas si tranquille, mais on va se les fumer. C'est tout. Voilà, bam. Beau maquillage. Mauvaise technique de baston, mais beau maquillage. Eh bah, dis donc. On pourra toujours pas récupérer ce petit trophée de l'homme mystère. Quelle misère, l'homme misère. Je me suis renseigné sur le Dr Young. Ses relevés bancaires indiquent plusieurs paiements reçus depuis avril dernier jusqu'à il y a 2 mois. Puis, oh non, plus rien. Les paiements proviennent d'une société dirigée par un certain Jack White. Un des anciens surnoms du Joker. Il paie donc le Dr Young pour créer son armée et puis soudain, il arrête. Ça n'a aucun sens. Alors, est-ce qu'on se fait un tout droit là? Est-ce que la porte s'ouvre? Oui, la porte va s'ouvrir. Sur quoi? Ah, je sais pas, mais en tout cas... Remonter à la surface par les égouts. J'ai bien envie de défoncer les petits dentiers et voir ce qui se cache au bout. J'ai peut-être pas la santé pour ça. Ouais, on se retrouve dans le même dilemme que devant le même dilemme que la dernière fois. Amélioration qui sort de nulle part. On la prend tout de suite. Alors, élimination inversée qu'on n'a toujours pas eu l'occasion d'utiliser malheureusement. Amélioration armure. Je crois qu'on va faire ça tout de suite. Parce que le reste c'est quoi? Batarang puissante.
Augmente la puissance du batarang standard. Ah, ça augmente le dé d'immobilisation. Double batarang. Et ça, c'est quoi? Détonation multifréquence. Déclenchage explosif de façon sélective. Ouais, non. On va pour l'instant améliorer l'armure. Parce que le batarang pour les combats de boss, ça sert à rien. Oh, mais c'est carnet d'entretien. Allez, allez. Et... Pas dispo tout de suite apparemment cette pièce. Ça simplifie les choix. Et ça écourte aussi les cassettes audio apparemment. Un puzzle à plusieurs faces, mais seules certaines sont visibles. Énigme poésie par Edouard Nigma. Je l'ai vu. Ce trophée est à moi. C'est mon précieux. Pas d'autres ennemis que des petits dentiers. Hey, c'est incroyable. Les virements sur le compte du docteur Young ne se sont pas arrêtés. Ils ont été refusés. Le docteur a bloqué son compte. On dirait qu'elle a changé d'avis. Elle a tenté de bloquer les paiements. Le Joker n'aime pas que ses partenaires l'abandonnent. Alors, il a décidé de revenir à Arkham, de trouver la formule et de créer l'armée lui-même. Exactement. Ah ouais. Putain, déduction. Sauf que c'est même pas genre il l'aurait, quoi. C'est... Elle en est sûre. Elle a pas d'autres preuves. J'ai piraté sa messagerie. Deux emails ah, sortent okay. D'abord, ça y est, les preuves arrivent. L'émission de la semaine dernière. On dirait que Young a voulu fuir. Et le deuxième? Un message du Joker, enfin, de Jack White. Il est long. Le supplie d'arrêter l'expérience. Lui dit que c'est trop dangereux. Il ne l'écoute pas. Voyons. Des menaces à sa famille, quelques blagues vaseuses, oh, la photo d'un bébé mort. Quelques jambes brisées. Continuez. Il lui dit qu'il vient la chercher. Qu'il veut ce qu'il a payé. Puis, une blague sur les chaises roulantes. Oh, oracle. Étonnant qu'elle soit terrifiée. N'écoute pas ces blagues sur les chaises roulantes. Je la trouverai. T'es pas encore concerné. Non, j'aurais pas dû traverser. Oh, tant pis, je l'aurais cherché. Ainsi, le grand détective n'a résolu que 10%. Enquêteur secret. Prêt à abandonner. Ah, 10%, ok, d'accord. Il vient de le dire lui-même, j'ai même pas besoin d'aller vérifier. Pourquoi, Batman, ne te jette pas dans le vide, je t'en supplie. Ok. Donc on a résolu 10%, donc on a eu un trophée de bronze pour avoir résolu 10% des énigmes de l'homme mystère. De Jean-Edouard Nigma. Est-ce qu'il est possible de sauter là-bas? Voyons voir. On est gourmand. Allez. Ça passe. Quel bâtard. Ouais, bah, je suis fier de l'avoir trouvé quand même. Même si c'était de me ridiculiser. Petit bâtard de Edouard. Bat-Edouard, comment on l'appelle. Et l'autre, comment je peux faire pour l'attraper l'autre? Il va falloir que je plane depuis un rebord et que je perde un temps précieux. Votre temps, mesdames et messieurs, mes petits flaguistes, vous inquiétez pas, je vous ferai pas ça. Je le ferai tout seul dans mon coin quand je voudrais récupérer le trophée platine de Batman Arkham Asylum. Vas-y, n'hésite pas. Voilà, voilà. Pète bien des bouches. Qu'est-ce qui reste derrière nous? Il reste rien. J'espère. Oh putain, si.
Est-il possible de sauter aussi loin? Pas du tout. Comment faire? Comment faire et damnation? Je suis mort. Est-ce que si je rate celui-là, j'atterris en dessous? Non, pas du tout non plus. Non, on ne le tente pas, mesdames et messieurs. Désolé. Vous ne saurez pas si c'est possible. Alors, la bête griffe pour attraper les caisses. Est-ce que ça marche? Ça marche toujours. Oula, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Elle n'a pas bougé. On va donc reprendre le batarang. Alors qu'il fallait prendre le gel explosif. Ouh! Il y a Croc. Et Croc qui surgit de derrière le mur. Il surgit de partout dans l'autre côté. Alors attendez, qu'est-ce que je viens de péter là exactement? Voilà, je viens de péter ça. Oh, un piège mortel. Nya! Voilà, ça c'est la grosse porte cinématique. Comme on l'appelle dans le jargon. La cinéma porte. Pas du tout. Remonter à la surface par les égouts. Ding dong. C'est encore l'épouvantail. Des snipers. On dirait que les malfrats du Black Gate ont accès à l'arsenal. Mmh. Merci. J'avais fait un peu le même constat. Alors. Oh oui. Ah oui, d'accord, il y a même un cadavre de mec assommé juste en dessous de moi. Deux mecs, quand je dis deux mecs. Comment pourrais-je être moins précis? De policier, un cadavre de policier. Allez hop. C'est bon, on fait dodo. Tranquillou. Il reste qui là? Eux ils sont en pleine réunion. Ils se demandent lequel d'entre eux va devenir le plus célèbre pour avoir tué Batman. Il ferait bien d'arrêter de se poser ce genre de questions. Alors toi, petit bâtard. Qu'est-ce qu'il faut que je te fasse pour que tu te calmes? Déjà, où est l'entrée de ton... Où sont les escaliers? Lui, il y a des escaliers dans son... Dans sa tour? C'est ce que je vois ici. D'accord. Eh bien, on va le tenter. Avec le petit coup de violon à chaque fois qu'il se retourne. T'inquiète Batman, je sais, il pleut. Il faut être patient. Pas envie de se faire tirer une balle dans le cul. Balle dans le tibia. Balle dans le genou. Ta-da-da-da. Ok. Il n'y a pas un petit R1 qui s'affiche en cours de vol. Oh. Un petit coup de violon. Vite, monte. Discretos, batou. Discretou, comme on t'appelle. État très calme. Je vais faire passer ce 90 à 0. Vous allez voir, en une seconde. Allez hop, 3, 2, 1, 0. Et bien il me reste donc que des mecs pas armés à défoncer avec joie. Je vais quand même sortir pour préparer un petit coup de...
Non! Quoi? Comment ils m'ont vu d'aussi loin? Attendez, que je mette un petit coup de gel explosif. Quoi? J'ai pas réussi à le poser jusqu'au bout. C'est très triste. Toute cette préparation partie en fumée pour rien du tout. Ok, un mot. Non, lui c'est un coup de cap. Oh. Ça pourrait mieux se passer, ça pourrait mieux se passer. Très bien. Allez. Il retourne au Black Donjon. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Un trou. Un trou mortel. Alors, les soins intensifs, ok. J'en aurais bien besoin pour récupérer ma vie. Malheureusement, c'est pas là qu'il est. Trouver un chemin menant au manoir d'Arkham. C'est, bah, c'est ce qu'il y a devant moi, non? Pas du tout. C'est ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Une porte infranchissable. Un escalier de fer. Un couloir étroit et obscur. Et au bout de ce couloir, une musique. Oula, 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 oula. Et j'étais encore en train de courir vers mon propre suicide. la joie au cœur. Alors, très bien. Voilà, il suffisait de frapper. Le patrimoine. Merde, 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 merde. Ah, mais j'étais pas prêt. Il va mal. Il va mal, il se fait taillader au couteau dans une ruelle sombre. Ok, on se concentre. Il y a peut-être moyen de le faire. Ça va être long. Oh. Oh. Ah oui, il voulait à tout prix que j'utilise la batte griffe. Alors. Oh, il va réussir à m'étriper. Oh, il a réussi, oh le bâtard. D'un autre côté, j'étais tellement faible. Ma vie, j'avais plus qu'une goutte de sang. Merci pour ton petit bisou, Harley. Harley Quinn. Let's go. Maintenant, je sais que je suis attendu au tournant. Il y a un guet-apens. Oh. Oh les bâtards. C'est pas ce que je voulais faire non plus. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir enfin poser un peu de gel? Ouais, si j'étourdis tout le monde, je peux peut-être poser un peu de gel.
Non, pas du tout. Je pourrais jamais étourdir tout le monde. Putain, il me file des coups de poing en l'air, mais malade. Parfait. Oh, ce retournement de situation incroyable. Tout ça à cause du gel explosif, mesdames et messieurs. Mettez-le bien sur votre liste pour le Père Noël. C'est un indispensable pour 2022. Très bien. On est reparti. Est-ce qu'il faut que je détache chez messieurs dames? On va être gentil. Ah, il y en a un des deux qui bouge encore. Comment dire? Non. Pourquoi on est venu là en fait? Ah. Non, j'aurais pas pu leur échapper. J'ai eu de la chance que celui-là ne bouge absolument pas. Qu'il ne soit pas réalisé par une diarrhée foudroyante. Allez, petit carnet d'entretien pour nous divertir. Incroyable. Un carnet d'entretien du Joker, savoureux. C'est normal que le que le chef de comment ça le chef que le directeur de l'asile se fasse une statue à son effigie en plein milieu de la prison. Et non seulement une statue grandeur nature, mais triple grandeur nature. Merde. Mais putain. Mais d'où il tire lui cet enfoiré? Shotokar n'avait aucune chance. Non mais regardez-moi. Il a raison. Un gros tocard. J'ai même pas trouvé où était mon dernier ennemi et je me suis aventuré quand même. On recommence. Allez, quand on est le meilleur détective du monde, on peut au moins trouver les snipers qui apparaissent en rouge vif sur un fond tout noir. Alors. Ah, ok. Comment j'ai fait pour pas le voir? Ce petit bâtard. C'est pas possible que je l'ai pas eu tout à l'heure. Alors ça, j'ai vu qu'ils avaient bien la gâchette facile. Ils n'ont pas menti, leur CV était exact. Malheureusement pour moi. Il m'a foutu la honte devant tous les flaguistes. Bon, qu'est-ce que t'as à nous dire, Jokman? Ah oui, d'accord. Il voit à ce point-là, les mecs. Ok. Donc, est-ce qu'ils bougent de leur perchoir? Pas du tout. Je vais donc essayer de les contourner. Oula. Non. Il a foncé dans un rocher. Non.
Mais Batman, t'es sérieux? Madame et messieurs, Batman est coincé dans un rocher. C'est scandaleux. Putain. Quel bug. Incroyable. Au moins, ça va nous permettre de recommencer en regagnant un peu de santé. Et sans se taper une cinématique où un personnage immonde essaye de nous insulter, nous et toute notre famille. Allez. Ah, le jeu est fatigué. Il arrive à la fin de l'épisode, il est comme nous. Tu peux le faire, merci. Aïe aïe aïe. C'est pas des accidents. Vu comment les mecs tirent à vue en moins de 2 secondes, les consignes sont claires. Ils ont ordre de ne respecter aucune vie humaine déguisée en chauve-souris. Allez. Donc il y a 2 tours ici. Les mecs voient à peu près tout le jardin. Et ils ont une grille au-dessus de la gueule. Alors, est-ce que d'ici il me voit les mecs? Non. Très bien. Trophée de la Mimi. Viens par ici, tu es à moi. Tu as trouvé celui-là. Désolé, ce n'était pas un défi très dur. Je manquais de temps. On contourne, c'est très bien. Magnifique travail, Bruce. Je me rappelle qu'ici d'ailleurs on s'est tapé. Oh mon dieu, non! Cache-toi. Ok. On est incroyablement dans la merde. Comment est-ce qu'on pourrait s'échapper? Ah, lui il va pas bouger. Et c'est qu'on est là. Oh non, non, Batman! C'est pas ça! Oh putain, heureusement. Heureusement, il est nul. Il est pas si nul. Putain de merde. Ouf. Oh non. Alors, quand c'est pas le bug, c'est le cri. Oh, c'est pas mignon. Batman fait son dodo. Que quelqu'un l'achève. Dernière tentative. Quand c'est pas le bug, c'est le cri. Le cri de honte quand on meurt. Bruce qui nous a lâché un vieux. Mais bon, on l'a mérité. On n'a qu'à pas se faire trouer le cul. Oui, tu es. T'as tout compris. Je me concentre sur la cassette. Le sujet n'a aucun nom connu, inscrit sur le nom du Joker, le directeur Charles.
Bon. Je pense que c'était la bonne tactique. Il faut juste que je sois patient et que j'attende que lui tourne. Continue sa ronde, en fait. Tout simplement. Oula, 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 oula. Il va nous voir, il va nous voir, il va nous voir, il va nous voir. J'ai pas été patient du tout, j'ai même pas regardé. Je m'en suis battu les couilles, je m'en suis Batman. Je m'en suis Batman, tu les couilles. Ok. On tente un autre. On tente notre propre chemin. Elle est faite de trophées de le mystère. Elle. Ce chemin. Est fait de trophées de mystère. Désolé, ce n'était pas un défi très dur. Je manquais de temps. Ok, on peut encore continuer à grimper. Eh bien, grimpons. Allez, quand je parlais d'une collectionnite aiguë de trophées de mystère, je ne pouvais pas mieux voir. Ça aura mis du temps, mais on va pouvoir terminer l'épisode sur un pétage de gueule de sniper. Oh là. Alors. Où est-ce qu'il se cache? Oh. Je vais n'en faire qu'une bouchée. Qu'est-ce que je peux leur envoyer? Une bête griffe. Bon, en fait, je les ai juste énervés. Ils sont fait agripper par quelque chose, mais ils ont pas compris quoi. Est-ce que je peux encore monter? Dommage. Ça aurait été beau. Je peux essayer d'aller de l'autre côté. Ils vont salement me buter. Je serais venu là pour rien. Je crois que le mieux serait prendre le Batarang. Hi. Non, mais j'avais jamais entendu qu'on poussait des petits cris depuis le début. Incroyable, Bruce. Incroyablement pas viril. Ouf. On va pouvoir faire le tour, incroyable. Tout est incroyable. Ouais, tout est incroyable. Ne vous inquiétez pas. Bon, je me suis enfermé tout seul. Ils sont où les mecs? Il faut que j'aille nulle part, il faut juste que je me débarrasse des deux mecs armés quoi. C'est mon seul boulot. Et bien on va y aller. On va tenter le tout pour la fin de l'épisode. On va y aller au Batarang. Oh mon dieu. Allez. Allez, c'est passé, tranquille. Bon, mesdames et messieurs, si j'avais su, on y serait allé bien plus tôt. Oui, oui. Ouais, ils ont tous été assommés surtout. Et donc, trouver un chemin
Ah, c'est par là. Il faut juste que je prenne l'entrée principale. Eh ben, oula. Eh bien, mesdames et messieurs, on va attendre devant l'entrée principale et se donner rendez-vous pour le prochain épisode de Batman Arkham Asylum. C'était un plaisir, encore une fois. Merci d'avoir été avec moi.